On est ici à Hoshéa, Perekhet. Quelques psukim qui ont été on a sauté, c'est qu'on revient les voir ultérieurement. En tout cas, ici, j'aimerais étudier avec vous dans le, comment dire, on est plusieurs fois dans tout le Sefer Hoshéa. C'est que Hoshéa vient donner une Touqiha à Am Israël en vue de la destruction du Beth Amikdash. Bien que la destruction est loin encore. Ce qui, on sait que le premier psukim de Hoshéa, Oziyahu Yotam, Ahazi Hizkiyahu. Donc, c'est pas immédiat. Hilla Diber Hashem de Hoshéa, et on dit que, Rashi nous dit que Hoshéa, Ishayahu, Amos et Micha, étaient en même temps. On n'est pas exactement. Et Hoshéa était avant tout le monde. Hoshéa, Kodem Lechoulam. Donc, sans arrêt, en même temps qu'il prophétise sur la Géoula finale, comme ce qu'on a dit que c'est la raison pour laquelle il est le premier prophète des 12, forcément aussi, il prophétise sur la destruction. Et c'est très intéressant sa prophétie parce qu'il va parler du shoresh de la destruction, de la raison de la destruction. Et il va remonter à Yerovam. Yerovam ben Nevat, au schisme entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. D'où l'importance capitale de cette prophétie parce que c'est finalement, on a dit que au moment où Kadosh Baruch Hu a déchiré la Bible, Shlomi a déchiré l'habit de Yerobam, Shlomo, il a dit ainsi, la malchoute sera déchirée. En fait, au moment où le Beth Amikdash venait à peine d'être construit, en fait, à ce même moment, on a déjà vu et prévu la destruction de ce Beth Amikdash qui ne va pas perdurer. Il y a eu plusieurs balises, comme ça, c'était au temps de David et Ishbosheth. C'était au temps que David a reçu le Lachonara. C'était au moment où Shlomo s'est marié avec Bat Paro. C'est au moment où Yarovam et Rahavam se sont séparés la Malchoute. Et tout ça, hein, ce n'est que, en fait, la continuité, la continuation d'une brèche, comme une petite fêlure, quelque chose qui s'est fêlé, qui ne va ensuite ne faire que de continuer à s'élargir. On voit à chaque fois qu'il est question, on dit que lorsque David a reçu le Lashon Hara de Tziva, de Ishbosheth, c'est à ce moment-là qu'Akadosh a dit, tu as reçu le Lashon Hara, le Beth Amidrash sera détruit, et Am Israël sera exilé. Donc, et là-bas aussi, c'est à l'image de ce qu'il est question ici. C'est un malchou. Binyamin et Malchut David, c'est-à-dire Bnei Rachel et Bnei Léa. Toujours, parfois ça passe par Yosef, Yerovam, c'est Ephraim, Shaoul et avec Binyamin, mais l'histoire c'est Bnei Rachel, Bnei Léa. L'impossibilité de pouvoir trouver le point commun entre Bnei Rachel et Bnei Léa. C'est ça ce qui va ensuite causer le fait que Yerovam va faire des agalim, va faire des veaux qui vont servir. C'est ça ce qui va expliquer que Yerovam va avec Ahab, va vouloir faire une nouvelle capitale de, comment dire, de Avodah Zarah, avec Shomron, de vouloir décentraliser le culte à Jérusalem, d'accueillir le Rang, va mettre des policiers dans les carrefours pour empêcher les pèlerins de regagner Yerushalayim, là que Am Israël va avoir Malchut Yehuda, qui va être religieuse et qui va être autour de Yerushalayim, et Malchut Israël qui va faire toutes les Averot, Shabbat Torah, surtout la Avodah Zarah, avec Eliyahu HaNavi qui va sans arrêt essayer de les rappeler, de les ramener, de les rappeler à l'ordre. Et Elisha qui va prendre la suite d'Eliyahu sans succès. C'est à ce moment-là que les petits prophètes, tels Hoshéa, Amos, vont essayer de faire une dernière Ahia, Shaïaou, essayer de faire une dernière réanimation sans succès. Et dans ce cadre-là,
On essaie de faire les dernières réanimations sans succès. Avec succès, on connaît la fin de l'histoire. Il y a Oshéa. Kadosh Baruch Hu encourage fortement Oshéa à prendre la parole. Écoutez bien. Perikret Pasukalef. El Hikircha Shofar. Une expression en français qu'on dit il a avalé un micro. Il avalait son micro. Il a avalé son micro, il a il voit très fort. El Hikircha Shofar. Kadosh Baruch Hu dit à Oshéa. Colle un chauffard à ta gorge, à ta langue, pour faire entendre ta voix. Elle dit que c'est un chauffard. Les chers Albert Hachem, et toi aussi, après, et là, le cher dit, les Mota Olam vont regagner Yerushalayim pour la détruire comme un aigle qui s'attaque sur sa proie. El Hikircha Shofar, Oshéa, colle à ta gorge, à ta langue, un haut-parleur, fais savoir à Am Israël qu'un Nesher al Betachem, ou Mota Olam vont venir comme un aigle qui va s'attaquer au Betamingdash. Pourquoi? Ya'an, Avru Beriti, Batorati Pacharou. Parce qu'ils ont passé mon alliance, transgressé mon alliance, et ils ont transgressé la Torah. Li, dit à Kadosh Baruch Hu, je sais ce qui va se passer quand on va détruire le Betamigdash. Li, Isaacou, vers moi, ils vont se tourner, ils vont crier. Elohai, Da'anoucha, Israël. Et là, ici, les Mefarchim disent, c'est un passage qui est un peu à l'envers. Li, Isaacou, Israël. Et ils diront, Elohai et Da'anoucha, on te connaît. C'est quand même assez triste, mais c'est quelque chose qui est tout à fait humain. Parce que l'homme faute, c'est la condition humaine, je ne vais pas ici blâmer l'homme, mais quand il faute, il faute. En sachant que lorsque la punition arrivera à lui, tout de suite, il supplie, il dit pardonne-moi. Parce que, parfois, quelqu'un il fait une erreur, une faute, en sachant qu'il va être puni et en sachant qu'il va demander pardon pour ce qu'il a fait et supplie à Kadosh Baruch Hu pour dire arrête. Oui, mais. Il va y avoir rien. C'est Mishnah. Et si ce n'est pas dans le sens-là. Et t'as bien chose quand même qui dit, je vais fauter, je vais faire teshuva. Là, il ne s'agit pas de ça. Ce que je veux dire ici, c'est une sorte de. C'est naïf. C'est du calme. Oui, du calme quand même. Depuis que l'OMS, c'est la merde. Tous les chanim rabot et mode de problème. Surpheu ou tsar de. Les chanim rabot. Ici, c'est différent, c'est que on est d'une certaine manière séduit par notre Tzéhara à faire des Averot, tout en sachant, sans arriver à Israël, à tellement poser le machin, il est un voleur, il vole. Donc, quand il y a la police qui le vole, oh, pardonnez-moi, 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 j'ai pas fait exprès, je ne recommence plus. Mais il sait que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Non, vous comprenez, rien qu'il vole, il ne dit pas, je vais voler, je vais faire Tchouba. Non, il ne peut pas faire des Tchouba. Il espère qu'on ne va pas le prendre. Mais dès qu'on le prend, on dit, oh là là, j'ai vraiment pas voulu. C'est pas de ma faute. Je suis gentil, finalement. Pardonnez-moi. Je recommencerai plus. Mais il sait très bien que ce qu'il fait, c'est pas bon. Vous dire, par vos chers, l'Isaacou Israël. Et ils diront, Eloha, Yeda, Anoufa, on te connaît. Écoutez bien. Zanah Israël, Tov, Oyev, Yerdefo. Il y a quatre pirouchim à ce passouk-là. Zanah Israël, Tov. Am Israël, Zanah, a oublié, a méprisé. Zanah Israël, Tov, le bien. Premier pirouche, Tov, Akadosh Baruch Hu. Et le radal, Zanah Israël, Tov, Am Israël a oublié. Tov, wa el barach, ten Tov, zulato. Deuxième pirouche, Zanah Israël, Tov. En Tov et la Torah. Am Israël a oublié la Torah.
Troisième pirouge, Zemar Israël Tov, dit le Zohar, Yetzera Tov. Am Israël a abandonné, a oublié son Yetzera Tov. Non, selon ces trois pirouchines, le Oyev va y avoir défaut, ce sont, Oyev et le défaut, ça change. Zemar Israël Tov, Israël a oublié à Kadosh Baruch Hu la Torah, c'est pour cela que l'ennemi nous poursuit. Zemar Israël Tov, le Yetzera Tov, Oyev et le défaut, le Yetzera Ra, nous poursuit. On a écouté bien. Sana Israël Tov dit le Midrash. C'est le pirouge, c'est Oyevir Defo, c'est pas seulement. C'est un autre pirouge dans Oyevir Defo. Le Yerushalmi Rosh Hashana dit Oyevir Defo. Est-ce que c'est juste un ennemi ou alors on y a des défauts, hein? C'est un ennemi particulier. Il y a un autre qui bouge, je vais vous dire tout de suite. Mais par contre, c'est général. L'autre pirouche, c'est aussi un restaurateur à Kadosh Baruch Hu, mais dans le sens, ils ont fait Avodah Zara. Pas, j'ai pas été observant de la Torah et des mitzvot, j'ai oublié à Kadosh Baruch Hu. Dans le sens, j'ai fait Avodah Zara, Zana Israël Tov. Amisrat, c'est sur le bon contexte parce que juste après, c'est pas sûr qu'on dit, Ici, le Radak nous dit, c'est quelque chose de très intéressant que je, quand j'ai étudié Sefer Menachem, je ne connaissais pas, je l'ai fait ici quand j'ai préparé le shiur, c'est que ici, il dit le Radak, le Baruch Hu reproche à Am Israël d'avoir mis au pouvoir Yerovam ben Nevat. Dernier travail. C'est eux qui ont mis au pouvoir Yerovam et pas moi. Et Sirou, Minachon Sar, ceux qui ont rendu Yerovam un prince, un ministre, ce n'était pas de moi. Ce n'est pas Mouvama Asulaim Atsabim. Quand Yerovam, après, il était roi, il a fait des Agalim. Avec l'argent et avec le l'or, les Ma'anik Karet. À cause de ça, ils ont perdu toute leur richesse. Mais la question est constante. On sait que celui qui a nommé Yerovam comme roi, c'est Ahia Shiloni, c'est un prophète qui est fait mal. Vous l'avez mis, c'est pas vrai. C'est le prophète qui l'a nommé. Grande question. Alors, écoutez le pirouge du Radak. Il est tout à fait étonnant. Le Radak dit, c'est à fal qui, chez Malchou, Tierov, Améa, Elit, Barachaita, Konshé, Amara, Ahia, Shimoni. Et il dit, en plus, il colle ma com, Bishachi, Mnichou, l'eau, Shahalou, et Piachem. C'est bizarre. C'est le prophète qui le sacre roi, mais nous, on n'a pas posé la question à Kabul Baoukou. Explication peut-être. Ahia Navi lo amar lahem le'amnicho. Il a amar le Yerovam ma sheyelo. Très intéressant. Ahia a dit tu seras roi. Mais il n'a pas dit je te nomme roi. Finalement, ceux qui l'ont rendu roi, c'est Am Israël. Ce que lui a dit Ahia, ce n'est pas une nomination. C'est lui raconter ce qui va se passer. Mais si Am Israël avait décidé de le déchoir, il n'aurait pas été roi. Deuxième pirouche. Oui, mais ça s'appelle une névoie l'Era'a. Une névoie l'Era'a, on n'est pas obligé de l'observer. Alors, dit le Radak, continue. Kevan shira'u shemena'am ila'alot Yerushalayim ve'asa la'em agalim ayalem le'asiru me'amelucha ki ahya marlotnai im ta'ase ha'yashar be'ayne Hashem. Mais
Le seul qui a été nommé, c'est Yehou pour tuer Ahav. Mais tous les autres, c'est de même. Et Yerovam, ça a été dit par Ahia, mais finalement, il a fait un Malchai Israël, pas de Malchai Yehuda. Et finalement, ils auraient dû être religieux. Le fait qu'ils n'étaient pas religieux, Am Israël aurait dû les faire tomber. Ils auraient dû faire un putsch. Ça nous est reproché. Vous connaissez? C'est Meod Hachou, parce que c'est quelque chose de récurrent aussi dans Mastechet Horayot. On dit, si le Sanhedrin a dit quelque chose, et qu'on l'a écouté, on doit amener un corban. On va chercher, mais quel corban? Quel tige doit amener un corban? J'ai fait ce qu'a dit le Sanhedrin. Non. Si le Sanhedrin dit quelque chose de faux, je dois avoir de la jugeote, je dois réfléchir, je dois avoir un esprit critique, je dois essayer d'éveiller quelque chose pour dire peut-être c'est faux. Si j'ai une conviction personnelle qui est un problème, je suis pas obligé de faire ce qu'ils disent. Si je le fais, je dois amener un corban. Alors, je dois au moins amener mes ta'anot devant eux. Bien sûr, c'est ici un grand démenti pour l'histoire du Gadol Hador. Et j'ai vu la... Bien sûr. Bien sûr. C'est un problème qui demeure depuis plus des milliers d'années. C'est un vrai problème. Mais malgré tout, je pense que ce problème-là, il reste minime. C'est-à-dire que sur 99,9% où tout va bien, il y a 0,01% où il y a une contradiction, où il y a une controverse. C'est pas la peine de s'attacher à cet agrégat pour remettre en cause l'autorité des rabbinim. Il peut y avoir 0,01. Pas 0,1. Il y a des milliards de halakhot. Chaque pas et fait des gestes est régi. Il y a une centaine de halakhot ou plus qui sont controversés. Il n'y a pas la peine d'aller se fourrer là-bas pour dire que finalement tout est controversé, on ne peut écouter personne, vous comprenez bien. Tous nos faits et gestes pendant toute l'année, pendant toute la vie, pendant toutes les générations, dans quel que soit le domaine de la vie, est régi par la halakha, des controverses, mais finalement, il y a un tronc qui reste un tronc commun pour tout le monde. Il y a quelques choses sur lesquelles on est en désaccord. On n'est pas toujours aussi amené à rentrer, à nous rentrer, à prendre position dans une controverse. Parfois, on peut réussir à éviter. C'est ce qu'on peut dire. Horu Beddin, parfois, on dit, mais ne rentre pas comme ça. C'est vrai qu'ils ont donné la halakha. Tu vois que ça tourne pas rond. Retire ton épingle du jeu, c'est pas la peine de faire bécouver assez et d'être le premier à accomplir quelque chose qui te paraît bizarre. C'est dans ce sens-là que, en tout cas, à Kadosh Baruch Hu, ici, on voit une Duguma Kitsonit Meod. La Duguma Kitsonit, c'est quoi? C'est Ahia Ashiloni, il a dit, et malgré tout, Am Israël est remis en cause. Continue. Pourquoi c'est important? Parce que juste après, le pasouk nous dit Zanah Aigler Shomron Hara Apivan Admatai Lo Yuchlu Mikayom. Ça, c'est aussi très intéressant. Où étaient les Agalim de Yerovam? Adan. Il y avait un Adan et un Beersheba. Vraisemblablement, ils n'étaient pas à Shomron. Oui, il a voulu décentraliser. Il y avait des policiers pour éviter les pèlerins. Il a voulu aussi, deux Agalim. Regardez, Rashi. Pardon, c'est Beth El. Et regardez ici. Le Radak nous dit, Afalpisha Egaloaeb et Shomron King de Beth El. Les Agalim étaient à Beth El. Il y en avait deux à Beth El.
malgré tout, ils sont appelés Shomron, parce que Shomron, c'est comme la capitale. C'est la capitale de l'Arabe d'Azara. C'est comme si je dis, Paris, c'est la capitale de la France. Donc, en fait, on a fini tout. On dit, Washington dit, ça n'a pas été dit à Washington, c'est Washington en tant que maison mère de la décision. On a dit, Shomron, c'est les Agalim de Shomron, c'est les Agalim de la capitale. Ici, on dit que c'était à Bethel. Quand on voit les psukim de Melachim, on dit, Midan Dat Be'er Sheva, oui, mais c'est en général une expression géographique pour dire toute la malchoute Israël. Parce que c'est là-bas qu'ils étaient placés, il faut revoir les psukim. En Melachim Aleph, Perek Yudbet, Pasuk Kaftet, qu'est-ce qui est écrit là-bas? En tout cas, ils n'étaient pas à Shomron, ça c'est sûr. Alors, dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Am Israël, écoutez, à cause de vos Agalim, je vais vous exterminer. Jusqu'à quand vont-ils continuer et ne pas se laver de cette saleté, de cette Avodah Zara? Toujours la Avodah Zara, elle est appelée comme quelque chose de tinofet. On dit à Kadosh Baruch Hu, Admatay lo yochlo nikayon, jusqu'à quand ils n'arriveront pas à se laver de ce hed? Kimi Israël, vehu. Ces agalim-là, il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont une force divine. Ils ont été conçus et confectionnés de votre propre argent. Kimi Israël, vehu. Harash Asaou. Ce n'est pas un dieu, c'est un orfèvre qui l'a construit, qui l'a conçu. Velo Elohim, ou. Ce n'est pas un dieu. Shovavimiye. Shevavimiye, il est fait par des copeaux, par la sciure de comment dire de Kesef, Zahav, Aigel Shomron, Yeruah Israou, Besufata, Kamaen, Lotzem, Abli, Asekema, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a aucune force. Vous vous êtes fatigué comme quelqu'un qui sème et finalement. La tempête Ktira, c'est la Ktira, c'est la récolte, c'est pour récolter le vent, ou alors c'est une tempête qui va dévaster la récolte. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si vous gagnez, finalement, c'est les autres qui hériteront de votre richesse. Nibla, Israël, Atayou, si vous continuez comme ça, vous allez être avalés. Vous allez être exilés. Vous allez être, c'est terrible, comme un ustensile sans intérêt pour personne. Allo Ashur, vous allez demander de l'aide à Ashur, Tere, Bodedlo, vous allez être comme une mule qui va tout seul. Vous allez être têtu comme une mule, parce que la mule, elle est cavalier seul. Pas de manigue, tu n'arrives pas à apprendre. Vous allez être Tere, Bodedlo. Quand vous allez être exilé, quand le Betamidash va être détruit, vous allez être comme une mule sans aucune possibilité d'avoir aucun dirigeant à votre tête. Ephraim, hitnu ahavim. Ephraim. Pardon? Rashi nous dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est peut-être la kilaïm de la Avodah Zara qui nous a amené à être comme ça aussi. C'est qu'il aime de l'Avodah Zara d'avoir voulu servir Elohim Aherim. Elohim, il nous a fait comme Hamor Habbar, un âne sauvage. Rashi nous dit ici. Ici, tous les Rishonim ont dit que. Péré, on dit Hamor Habar. Un âne sauvage. Mais bon, c'est une expression, en fait. Pas pour définir exactement la catégorie.
Gam ki itnu bagoim atta kabetsem. Même si maintenant ils vont essayer. Rashi nous dit ici. Ici, il y a la chambre, ça fait deux fois, il y a marqué Hitnou, Hitnou. Ça fait référence à Etnan. Quoi Etnan? Etnan Zona, c'est quand on donne un cadeau à la Avodazara. Il dit, vous avez donné le cadeau à la Avodazara. Le cadeau Bachon nous dit, c'est terrible, regardez. Rashi nous dit, et la Gemara nous dit, le Passouk nous dit, en même temps qu'il nous dit qu'on va être puni, il dit, Kam, ki Hitnou, Bagoyim. Ata, Kabetsen. Mais sachez que même si vous êtes exilés, je vous rassemblerai toujours. C'est ce qu'on avait fait dans le dernier Shiur. On avait fait au début du Pérec. Début du Père Exam, on a dit Kerof, il est Israël, Benigla, Abon, Ephraim, Veraot, Shomron, Ktaru Shaker, Negan Naviabo, Pashad Gedud, Bahoutz. On avait ramené Drashot Aran. Il avait dit que parfois, quelqu'un, il essaye de réparer. Et il répare d'une manière extérieure. La vraie manière de pouvoir réparer, c'est d'ouvrir la plaie, de nettoyer. C'est ça, c'est à moi que ça fait mal. On a dit que c'était ça, la Kerov, il est Israël, la galoute, parce que je dis, pourquoi il nous dit, je vais vous punir, je vais vous punir, il me dit, mais vous inquiétez pas, je vous ramène. Tu peux pas menacer quelqu'un. Si je menace quelqu'un pour dire, je vais te punir, si je lui dis, mais tu sais, après je te reprendrai, j'ai rien dit. Je me suis tiré une balle dans le pied. Je vais essayer d'expliquer ça ici, parce que je vous rassemblerai dans le sens. Cette punition, elle sera réparatrice. Et elle sera nécessaire pour pouvoir vous guérir. J'ai besoin de passer justement par cette chirurgie profonde pour pouvoir purifier tout ce que vous avez engraissé, tout ce que vous êtes engraissé, tout ce que vous avez engrangé de mauvais minhagim, de avodazara, de ra. Et par là même, ensuite, je peux vous dire qu'il y aura une possibilité pour pouvoir faire teshuva que je vous rassemble à nouveau. Écoutez bien. Ifra Ephraim Mizbehot la Hato, Ayulo Mizbehot la Hato. Echtovlo Rubetorati Kemozar Nechavu. Ibhe Abhaba Izbeho Basar Vayokelu. Adonai Loratsam, Atais Korabonam Vivkot Hatotam Ema Mitraim Yashuvu. Eshka Israel Oseo Vivene Halod, Yudai Varim Bitsuro de Shiratiesh Beharab Akhlar Menopia. La Avodah Zarah ne s'est pas limitée qu'à Malchut Israël, elle était aussi sur Malchut Yehuda. Je vais envoyer un feu sur ces deux Malchuyot, de Achla Armenota, qui va consumer tous ces palais. Et en chemin, et c'est un pasouk très connu, pasouk Yudvet, qui dit « Echtov lo rubé torati kemozar ne'achav ». Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est que quand on est en galoute, on dit que Am Israël chez Galoum et Artsam, en lecha bitul Torah gadol mizé. Am Israël qui a été exilé, tu n'as pas de plus grand bitul Torah. Il ne s'agit pas ici seulement du bitul Torah quantitatif. Le fait d'être en galoute, on ne peut pas étudier comme ce qu'on étudie en Israël. Il s'agit ici d'un bitul Torah qualitatif. On a perdu la Torah. Le fait d'avoir été exilé comme ce qu'on étudie dans Pirkei Avot, dans ces deux Shabbatot, le Shabbat de la semaine dernière et cette semaine, au temps de Hillel et Shammai, la mahloket s'est multipliée, les halachot se sont, ont été oubliées, elles sont devenues moins claires, et c'est ça ce qui a été la plus grande klala de la galoute. La plus grande klala de la galoute, c'est que la Torah dit ici, le pasouk, Echtov lo rubé torati, je lui écris, je lui transmets Rubé Torati, tous les préceptes de ma Torah, Kemozar Nechago. Ils sont pour lui
étranger, comme si quelque chose n'arrivait pas à s'inscrire en lui. C'est ça, hein? Aujourd'hui, je pense qu'on va. Alors, c'est très juste ce que vous dites. On avait étudié ça quand on avait étudié le Sira Shirim. Et on dit à propos du Talmud de Bavli, Mahashakim Oshivani Kemete Olam, c'est Talmuda Shel Babel. M'a assis dans l'obscurité, c'est le Talmud de Babylone. C'est bien, c'est bien. En fait, à la hauteur de la galoute, la hauteur du Hamal pour arriver à retrouver justement. Oui, mais comme si par exemple, je dis à quelqu'un. J'essaie de te rendre difficile le travail. Parce que la seule manière pour toi d'assimiler la chose, c'est seulement en te fatiguant. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une ma'ala. Le Talmud de Babylone, c'est une ma'ala. Parce qu'on se penche pour comprendre quoi que ce soit et on doit approfondir. Mais ça découle d'une faiblesse. C'est parce que c'est la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de se fatiguer en parlant de Hamal. C'est la différence entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi est bien plus, comment dire, il est moins controversé dans ses discussions parce qu'il est à la hauteur de Torah Teret Israël. Donc, Talmud Bavel, comme on est justement en Galoute, alors la possibilité de pouvoir retrouver chaque chose, c'est en multipliant, en développant la marloquette, ça permet de pouvoir approfondir et enrichir le débat. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre la chose. Mais là, ce qui a causé ça, c'est un het. Mais ce qui a été engendré, c'est quelque chose qu'on dit maintenant. À cause des Talmidim de Hillel, Shammai, Shloshim, Shukol, Turkam, Rabta, Mahloket. Donc c'est bien ou c'est pas bien ce qu'on étudie? C'est ni bien ni pas bien. C'est le résultat de la galoute qui nous a été infligée parce que on a fauté quand on était au temps de Yerovam et de Badaï, Badaï, c'est sûr. C'est vrai, c'est l'obscurité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, j'avais voulu lire. Ici, j'avais fait copier, hein, le espèce du Rakou qu'il avait fait sur Théodore Herzl. Dans ce aspect-là, il explique en fait quel était le rôle d'avoir Malchut Israël et Malchut Yehuda. En fait, c'est quoi je reviens sur ce que j'ai commencé. Quel est le shorej de tous les Hataïm? C'est le schisme entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. C'est ça ce qui a ensuite engendré la destruction du Beit HaMikdash. Mais finalement, quelle a été la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu a causé, ou pourquoi finalement ça s'est organisé de cette manière-là, hein, où il y a une volonté au niveau du peuple, au niveau des rois? Am Israël n'a pas empêché l'avènement de Yerovam comme ce que ça a été. De manière fondamentale, il y a Rachel et Benéléa, comme ce qu'on a dit. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il organisé comme ça, quand on a dit Yosef et ses frères? Est-ce qu'on va arriver finalement à un moment d'histoire à rassembler, à dépasser justement cette marmoquette? Ça, il explique d'une manière très intéressante autour de justement Sefer Melachim avec Ahav, avec Yerovam, avec tous les rois, au fur et à mesure de tout Sefer Melachim pour arriver jusqu'au moins à la destruction du Beit HaMikdash. Alors, gardez ça, et bien, les attachés, ce qu'on te dira la semaine prochaine, à Adkan.